ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle des enjeux de la dématérialisation, c'est d'abord, on parle de la stratégie. Et ça, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, on l'oublie. On part dans des projets trop techniques. Quand je dis technique, je mets les juristes dedans. Hein, c'est une vision technique de la chose et pas une vision de transformation. De transformation, je parle bien, je pèse mes mots, de transformation de la relation et je dirais même de l'écosystème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport à ce sujet, que ce soit dans le domaine de vers vos clients, que ce soit vos clients pour qui vous déployez ces solutions, ou que ce soit en interne par rapport à des solutions. Pourquoi? Parce que tout est une affaire de compromis. Alors bien sûr, moi je vais vous donner l'état de l'art, je vais vous dire par rapport à chaque sujet quel est l'état de l'art, mais la réponse est à vous de le trouver en prenant une vision stratégique. Alors cette conférence a comme objectif, de manière assez courte et synthétique, donner une vision à 360 de la problématique de dématérialisation, des enjeux jusqu'à sa mise en œuvre, mais aussi des problématiques juridiques, de manière très concrète, pragmatique et en se basant toujours sur des cas concrets qui permettent d'éclaircir des questions que se posent les participants. Écoutez, les retours sont de trois ordres. Le premier, c'est l'aspect pragmatique des retours d'expérience, par exemple sur le volet juridique, entre la théorie et la pratique. C'est l'aspect de compromis, comment on peut trouver une approche qui permet de répondre aux enjeux de la direction générale, mais aussi aux enjeux métiers, ou des questions très pragmatiques, techniques. Bah, je cherche une solution de paraffeur ou de signature, comment il faut faire. Et donc, c'est les aspects concrets, pragmatiques, où les personnes viennent chercher des réponses concrètes à leurs problématiques concrètes.